Coucou la team! 1er janvier 2020? Ouais, déjà, punaise, comment ça passe, comment ça passe. Bon, t'as vu, je me suis même pas changé. Je suis passé du réveillon, un peu au lit, et puis direct avec toi. Quelle heure il est? 11h53, on est midi. Ben quoi? Eh ben quoi? C'est ça, c'est jour de réveillon. Je finis le partage. Voilà, je finis le partage ici. Comment ça s'est passé pour toi? Salut Marie-Laure, comment vas-tu? Hey, petit générique avec Sting, un petit concert qui avait été vu, je crois, par Anthony, là-bas du côté de Caen, et ça m'a fait plaisir de te le partager aujourd'hui, parce que j'ai décidé que l'année 2020 serait située sous le signe de la musique, et que chacun se laisse emporter. Bon, calme-toi, Christophe. T'as déjà pu beaucoup de voix. C'est vrai qu'hier, avec les petites, on a vraiment exagéré. Là, on a été à fond, à fond, à fond les ballons, comme on dit. Allez, reviens sur ton truc. Hein. Alors, deux choses aujourd'hui. La première, c'est que au niveau des anniversaires, je ne sais pas ce qui s'est passé, ou plutôt, je sais ce qui s'est passé. Tu sais, quand tu crées ton compte Facebook, il y en a beaucoup qui se disent, moi, je ne vais pas donner ma bonne date de naissance. Et là, la table est un peu courte. Allez, hop, je la monte un petit peu. Good morning, Evangeline. Et donc, je crois qu'il y a plus de 50 personne à qui souhaiter l'anniversaire. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui mettent juste un 1er janvier histoire de se libérer. Je sais parce que je l'ai fait ben, dans le temps, je le faisais beaucoup. Quand tu crées un compte, tu dis ok, je vais mettre 1er janvier, voilà au hasard. D'ailleurs, j'ai vu, je sais pas si hier ou avant-hier, quelqu'un qui m'a dit car rigolait, t'as vu, j'ai 114 ans. Évidemment, si tu mets une date fausse, forcément, ça fausse le jeu. Donc aujourd'hui, c'est. Ah, dis donc, tu crois que j'ai volé à Johnny Hallyday? Non, c'est ma petite, la petite dernière, Loal, qui m'a dit papa, tu mérites un petit truc un peu fun. Donc elle m'a dit, vas-y, je te mets ça. J'avais oublié d'allumer mon petit truc ici. J'adore ça maintenant. C'est de mettre mon petit love en rouge et de toujours ne pas oublier mon petit copain. Voilà, il est là. Il s'appelle Totof. Pour les intimes, je le mets ici à côté. Voilà, c'est ma mascotte désormais. Voilà, non, non, moi aussi j'aime bien. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, ça pète. Et puis pour la fête, c'est pas mal. On est comme d'habitude sur tous nos réseaux. C'est-à-dire, on est là-bas. Sur Ibiro, donc on est sur Plaza, ah, oui évidemment, Plaza, YouTube, Periscope, donc Twitter, on est aussi sur les Facebook, et puis voilà. Salut Jeanne, allez on y va pour les saluts. À tous, je dis quand même une bonne année, hein. Non, non, mais je sais, c'est. À un moment donné, je suis submergé, tu peux pas imaginer le nombre de MP, de SMS, de trucs, c'est incroyable, alors je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas quoi faire. À te dire que ben vas-y, sois, passe une bonne année. Salut Manono, comment vas-tu? Il y a Eva qui est là. Alex, tu te touches à la façon Emmanuel, coquin. Je me touche. Ah, c'est vrai que j'aime bien me toucher. Ben, je me touche, je suis tactile. Alors ben évidemment, hein, moi je suis comme le iPhone. Hein, je suis tactile. Salut Alex. Il y a Isère qui est là. Salut, salut. Comment vas-tu, Isère, depuis le temps? J'espère que tu as passé un bon passage. Hein. Passer un bon passage, oui, pourquoi pas. Évangeline, Jeanne, Najla Louati, Olivier Grimont-Pré, Dimitri Leroy, Mathieu Bousquet, Grégory Perra, qui dit que j'ai volé mon t-shirt à Johnny Hallyday. Toute la musique que j'aime. Ah oui, non, non, mais 2020, c'est musique à fond. Je vais régler les guitares et tout, et on va se faire des matinales en chanson. C'est décidé. Nicole Grillin qui est là, Grégory, tous mes voeux, Jean-Jacques Mèche, yeah, un pilier maintenant. Alex, by Alex, ça commence à sentir le sapin, je suppose que c'est ça que tu voulais dire. Nathalie Januzzi, Nora, j'ai vu, Marie-Laure Amou, j'ai vu, Martine qui est là, salut Martine, comment vas-tu? Et tu reviens au boulot ou quoi? Et pareil que ça va pas être. Ça, demain, c'est pareil, ou alors lundi. Sébastien, mon ami Sam, est là aussi, punaise! Oh là là, on sort. Katia, Antonin, Rossi, Christian Van der Sappen. Alex a été le premier. Ah, est-ce que tu as senti qu'il y avait un nouveau. Challenge qu'il allait avoir. Et mon Pascal Papiot, j'ai vu de super belles photos de Pascal avec Oriane, façon, tu vois, beau gosse à la Maison Blanche. Genoux qui est là aussi, JC Monge qui est là aussi. Ok, donc je t'ai dit que les anniversaires, c'était hyper chaud. Je sais pas si tu as vu, c'est impossible à dire tout le monde. Enfin, si, ce serait possible, on y passerait des plombs. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'allais regarder dans la liste les gens que je connaissais. Et ben leur souhaiter l'anniversaire, parce que sinon, regarde, enfin, je vais te le montrer ici, tac, regarde ce que ça représente, mais je sais pas si tu vois là, hein? Non, mais attends, on est où? Oh, Régine est de retour, salut, salut ma Régine, comment vas-tu? Alors, qui je connais dans le tas? Alors, la première, évidemment, le premier, Thierry Martin, mon ami Thierry Martin, là-bas du côté de Nice, j'espère qu'on se voit bientôt, puisque la semaine prochaine, je vais pas se faire un petit coup tour
Beaumette, donc j'espère que je te verrai. Donc joyeux anniversaire à toi. Toi, je pense que ta date est bonne parce que c'est pas la première fois que je te le souhaite. Il y a aussi un joyeux anniversaire à Isabelle, Isabelle Sonrier, qui fait partie de la transformation du quotidien du salarié. Évidemment, des bises, des bulles. C'est vrai que c'est pas facile quand t'es né un 1er janvier. Si t'es vraiment né le 1er janvier, c'est quand même assez... Ah là 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 là, 1er janvier. Il y a MecJ qui est bonne et heureuse année aux agrumes. Et lui, il est sur YouTube actuellement. C'est super. Non, non, je vois pas. Daniel Mbess, oui, oui, Daniel, du côté de Orange à Eastview. Bah, gros bisous à toi, Daniel. Pascal Sindali, mon ami, on a bossé ensemble là-bas du côté de Corse, et je crois qu'il a Corté. Nadia, Barbara Story. Barbara Story, est-ce qu'on s'est rencontrés? Je pense que oui. Je pense que oui. Ah, bah, J. Simonge, il est là. Bah, là, Jean-Claude, je crois que c'est toi, Jean-Claude. Ah, bah, c'est à toi. Bonjour à toi. Thierry, il fête ses 50 ans. Jeanne, mais est-ce que tu te rends compte ce que ça veut dire? Thierry, je l'ai connu, c'était un bébé. Il venait, il était jeune, jeune. Alors, tu me diras moi aussi. Christophe, je t'enverrai un selfie sur la plage de Copacabana en mars. Avec plaisir. Si tu pouvais parler pour qu'on m'emmène aussi. Moi, je viens en mars. Hein. En plus, en mars, voilà quoi. Kevin, non. Kevin Chauvin, j'ai pas vu qu'il était là. Il n'est pas là, Kevin? Non. Ok. Simon, Becky Parfait. Mais Becky, je la connais, Rebecca. Elle est à ODS. Elle me dit toujours quand on se croit. Bon, alors, c'est quand qu'on. Mais tu dois m'appeler. Oh là là, c'est garanti. Je t'appelle, on se fait un petit déj. Ensemble, Alex, Nicolas, Marc, ah oui, Sébar Chopro aussi, je connais, on s'est vu, je sais plus quoi, on avait fait un shooting photo ensemble, ouais, non, mais pff, laisse tomber, on fait des choses, des fois on se demande, Franck Maison, Christophe, Paul Boubou, Miguel Romero, Laurence Dupac, Béatrice qui, c'est incroyable, non mais tu te rends compte, Amandine Dalmasso, Michael, Géronimo, j'avais dit que je le dirais pas, mais là, t'es obligé, regarde le nombre de gens qu'il y a. Imana ici, ça mon ami, Imana ici. Oh là là, attention, hein, Imana ici, c'est la, ce sont des c'est tailleur, quoi. C'est haute couture, que dis-je, c'est, voilà, on est à fond, quoi. Karine Bala, ouais. Et puis, je crois qu'il y a Augustin Chuente, du côté de Douala, et André Fouda, de la famille. Voilà. Donc, à tous et à tous. Allez, hop, on se fait une bise générale, on se souhaite tout le bonheur du monde, et puis surtout la santé, et puis voilà, quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Toi, tu le connais depuis que tu as 14 ans, effectivement, là, ça remonte encore à plus loin. Moi, je l'ai connu, il bossait, il venait d'entrer chez, comment s'appelait ce sous-traitant? C'est pas Alcatel? Oui, je crois que c'est un truc comme ça, Alcatel ou un truc comme ça, pour les PABX. Voilà, et franchement, le temps passe et on est toujours pareil, on est toujours aussi beau. Enfin, bon, voilà. Comment ça s'est passé ton réveillon? Voilà ma question. Non, le chante pas. Chante pas quoi? Chante pas. Alex, il faut que tu... Comme il y a du décalage, je sais pas de quoi tu parles, quoi. Ne me dis pas que tu... À moi de ne pas chanter, c'est la meilleure façon pour que je chante. Alcatel-Lucent? Ouais. Ouais, d'accord, ok. Lionel Rigal, la Team République est là. Je savais que la Team République serait là pour la première matinale de l'année. Alors, je me suis dit, Christophe, tu vas faire un truc. Est-ce que tu as vu le générique? Donc, il y avait un petit bout de Sting. Et après, il y avait le feu d'artifice qui est une bannière qui a été concoctée par notre ami André Vieira qui rejoint d'ailleurs à partir d'aujourd'hui. On peut dire à partir d'aujourd'hui, André rejoint la transformation du quotidien du salarié. Ça veut dire qu'on va avoir de super belles bannières. On les avait déjà. Par contre, la bannière, j'ai pas réussi à l'incorporer dans la communauté des agrumes. Je l'ai mise donc en truc. Je sais pas pourquoi. J'étais persuadé qu'on pouvait mettre une bannière vidéo. En fait, si, on peut mettre une bannière vidéo quand c'est une page de groupe. Ça y est, ça me revient. Caroline est là, joyeuse année, Caroline, Patricia, Pat, j'ai vu toi que c'était à partir d'aujourd'hui que tu étais en retraite, puisque l'année dernière tu étais en TPS, hein, un truc comme ça, donc écoute, plein de bonnes choses, ça démarre, super, on y va, I saw London Eyes Firework, je vous laisse tous mes voeux encore et à tous, et bisous à toi Alex, je sais pas si t'as repris le boulot, mais va falloir qu'on se voit là-bas du côté de Bagneux quand même, hein. Hein, ça fait longtemps que je ne suis pas venu. On se fait une petite matinale quand tu veux. Il suffit que tu me dises. Allez, hop, un petit coup de café. Oh là là, j'ai pas vu. Aminata est où? Aminata me manque. Il n'y a personne dans la matinale. Oh, tu penses, là-bas à Conakry, ça a dû faire la fête. Sérieux. Bon. Moi, je sais pas toi, mais moi, hier, j'ai bien aimé... Oula, j'ai touché au micro, ça a dû faire un sacré bruit. J'ai bien aimé, moi, hier, comment ça s'est passé. Bon, j'étais avec les filles. En ce moment, il y a trois de mes filles qui sont là à la maison. Roxane, Luna et Loan, et on a fait ce qu'on aime faire le plus. Les deux choses qu'on aime faire le plus, c'est que elles aiment faire du shopping,
Bon, on a fait. Et puis moi, j'aime bien chanter, et elle aussi. Et on a fait des, on a fait bon, sur mon mur perso, on a basculé quelques petits trucs comme ça, vite fait, hein, pour le te souhaiter bonne année. Salut Vivien, joyeuses années. Marc Gréban aussi est là. Et puis on a fait un truc qu'on faisait beaucoup dans les années précédentes, c'est-à-dire qu'on se faisait un clip familial. Je crois que le dernier remonte à 5 ans, où on prenait une chanson, on refaisait un cover dessus et on tournait un clip. Alors on en a fait une à Antibes, on en a fait à Paris, on en a fait à Houston, on a fait des clips. Alors attention, à chaque fois on profite des vacances, on ne croit pas qu'on a le budget pour aller faire un truc. Et donc là, ce qu'on a fait hier, c'est qu'on a enregistré ce qui, à mon avis, va être un clip qu'on va sortir, que je vais sortir très prochainement. Et ça m'a fait super plaisir parce que c'est là que tu vois l'évolution. De la voix, des trucs, de ce qui se passe, de la danse et tout. D'ailleurs, le générique de la matinale d'hier, c'était la famille qui chante, enfin qui danse. Et donc voilà. Donc, on va sortir ça très prochainement. En tout cas, moi, c'est ce à quoi on a passé. Bon, évidemment, bien entendu, ça a été l'occasion de ma première coupe de champagne depuis 365 jours. Alors, inutile de te dire qu'il y avait une certaine émotion quand j'ai porté cette coupe à mes lèvres. Et que j'ai senti les bulles atteindre mon gosier et descendre, c'était bien. Oh, j'ai été sage, je n'ai bu que 3 coupes de champagne pour toute la soirée. Très correct. En plus, on commence aujourd'hui le dry January, qui veut dire que pendant tout le mois de janvier, tu ne bois pas. Qu'à cela ne tienne, je vais boire avec modération désormais, mais en tout cas, voilà, je vais un peu bazarder ça. Mes bonnes résolutions, ben, il n'y en a pas. Je ne vais pas faire de résolution parce que pour une raison bien simple, c'est qu'à chaque fois que je prends une résolution au 1er janvier, je ne la tiens pas. Voilà. Je ne sais pas depuis combien d'années je m'étais fait, bon, ben, écoute, cette année, je vais faire un album, cette année, je vais faire ci, cette année. Puis non, puis finalement, on ne fait pas. Donc, de l'amour, de l'amour, de l'amour, et puis de la musique. Voilà. Je crois que c'est ce que je vais mettre en avant, c'est faire de la musique. refaire de la musique, parce que j'en faisais déjà, mais en faire un peu plus. Voilà, en fait, c'est ça, quoi. Voilà. Donc, je vais bien t'embêter avec des morceaux par-ci, par-là, quoi, si tu veux. Évangeline qui me dit, je t'envoie, qu'est-ce que c'est que tu m'envoies? Bus. Voilà ce qu'Évangeline m'envoie. Ben, voilà, ben, allons-y, quoi. Peut-être ça veut dire que je dois voir quelque chose. C'est quoi? C'est la reine? Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, merci, c'est gentil, Évangeline. Là-bas, du côté, c'est quoi ça? Ah oui, je n'avais pas compris. C'était les résultats que m'avait envoyé là. J'ai reçu énormément de. Ah ben voilà, Aminata est là. Mon Dieu, Aminata, tu te rends pas compte comment j'ai failli mal passer l'année. Je voyais pas où t'étais et tout. Il y a Françou, Françou qui est là. Merci d'être là depuis Guada. Parce que j'hésite un peu parce que hier j'ai dit à je sais plus à qui j'ai dit ouais c'est bien que tu te sois réveillé. Il me dit non 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 je suis en Espagne. Ben, c'est toi. Non c'est béni soit ce jour merveilleux. Enfin bon bref. Non 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 mais j'ai dit allons sérieux. Tu as vu un peu le pseudo béni soit ce jour merveilleux c'est chaud. Tierno Diop, bonjour à toi. This is London Happy New Year Parade. Mais Happy New Year Parade et on voit la rue on voit pas la parade. Caroline Haber qui est là aussi, je regarde un petit peu. Pascal Papio qui dit Hello les As, hello boss, bonne et heureuse année à vous, plein de bonheur, de joie pour 2020 et les années suivantes. Le monde est fou, 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 voyez-vous. Alors soyons fous de le ramener à la raison, mais que s'est-il passé en avril pour qu'il y ait autant de jumeaux aujourd'hui? Pourtant, en avril, on ne se découvre pas d'un fil. Allez, bonne journée les agrumes. Je sais pas, je sais pas. Non, mais je t'ai dit, je pense que c'est l'explication, c'est qu'il y en a beaucoup. Ah, la parade, c'est à 12h, à midi. D'accord, à midi. Donc avec le décalage, tu dois être en plein dedans. Ou alors c'est passé. Ou je sais pas. Enfin bon, bref. Toc, Caroline Haber, j'ai vu là. Evangeline, c'est une tuerie, ce feu d'artifice hier. Moi, j'ai rien regardé. J'ai juste regardé par la fenêtre qui avait un embouteillage du tonnerre de Dieu sur le périphérique. Je me suis dit, Christophe, mais c'est pas possible. Je n'avais pas le souvenir que c'était comme ça. Franchement, je ne pensais pas que ça aurait été comme ça. Enfin bon, bon. Florian Mathieu est là. Vivien, je l'ai vu. Marc Gréban, j'ai vu. On BBC. Je vous laisse tous mes voeux. Ok, donc j'ai vu tout le monde. It's 11. Ah, il est 11. Il est 11h. D'accord. Donc la parade, c'est à 12. Ok. Bah écoute, la prochaine fois, on essaiera d'être là-bas pour la nouvelle année. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans la communauté des agrumes? Bah, je te l'ai dit hier, hein. On a atteint notre objectif qui était d'atteindre les 12 400 au 31 décembre. Donc, bah, tout va bien, on est content, hein. Mec, celui-là, il ne marche plus. Voilà, la bannière a changé, encore une belle manière. Alors, évidemment, tout le monde s'est lancé dans joyeux anniversaire, dans bonne année. Ok, ça, c'est le truc que je vais afficher, que je vais enlever. L'image est floue.
L'image est floue. Ah, il y a un problème, parce que moi, je me vois clair, je regarde sur YouTube. On est clair? On est clair. En fait, je sais pourquoi l'image est floue. C'est une question de débit. Le temps que le truc se mette en place. C'est celle-là qu'il faut que j'enlève de supprimer l'annonce. Voilà, ok. Je descends, ça c'est celle d'hier. Évangeline, bonne année. C'est difficile de répondre à tout le monde, hein. Voilà, c'est celle-là. Hop, mettre. Mettre en annonce, et où? Enregistrer la vidéo, désactiver, marquer comme annonce. Voilà. Je rappelle, la marquer comme annonce, ça te permet à toi d'arriver et de voir en premier la vidéo. Voilà. Hop, groupe, Christophe NDI, c'est bon, Patrick Lefort. Alors, beaucoup d'histoires de boulot, beaucoup de joyeux anniversaires. Oh, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré ça. Renault Trafic, Renault Captur, Renault Évasion. Et tu sais quoi, on s'est posé la question avec les filles. On s'est dit, mais attends, Renault Évasion, ça n'existe pas. Non, c'est Citroën Évasion. Ben donc, ça tombe bien. Voilà, encore une affaire tranquille. Le gars, il est parti, quoi. Non, mais comme quoi, quand on a des sous, hein, on fait un peu ce qu'on veut. Stéphane Carvel avec la petite lettre du mot, ok. Ça, c'est les que j'ai lancé hier. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais avec. Tu sais que tu vas chez Orange, si toi, tu passes plusieurs fois 10 minutes à attendre qu'une appli réagisse. Ok. Oula, bonne et heureuse année. Mais c'est incroyable, hein, le nombre de trucs. J'adore, Rosemary. 2015, perdre 3 kilos, 16, 5 kilos, 17, 8 kilos. 2020, lutter contre les dictats de la beauté. J'adore, c'est vrai. Ben, à un moment donné, il faut laisser tomber. Salut mon ami Laurent Montus. Meilleurs vœux à toi. Dis donc, Caroline. L'image est floue. J'espère que l'image est revenue normale, hein. Aminata. Mais en tout cas, je suis sûr que c'est une histoire de, comment on appelle ça, de buffer. Oui, parce que, comment il s'appelle, Facebook adapte le truc à ce que tu as mis. Enfin bon, bref, le temps du truc. Petite info, n'oublie pas le crédit VOD. Ah oui. Ah oui, non, mais c'était hier, ça. Le crédit VOD, bah oui, il est mort, hein, le crédit VOD. Si tu n'as pas tout bouffé, c'est cuit, hein. Donc hier, il fallait acheter plein de choses bricolées, quoi. Oh la vache, tous ces petits ballons. Big up à la DTSI team qui a fait une fois encore le réseau a tenu le pic de charge. Une belle année à vous tous. Moi, j'ai envoyé aucun SMS, j'ai rien envoyé. J'ai juste envoyé deux mini vidéos à des amis très chers. Et tout le reste, j'ai dit on verra après parce que je me suis dit, Christophe, à un moment donné, avant, je faisais. Et puis moi, je déteste faire un message. Comment on appelle ça? Un message groupé, tu sais, un message où je mets, puis je copie, où j'envoie plein de numéros de téléphone. Non, non, j'aime bien répondre individuellement. Et là, hier, franchement, non, non, je me suis dit, Christophe, c'est trop parce que ça n'arrête pas, tu vois, tous les numéros de téléphone et tout. J'ai dit, bon, mais tant pis, on se dit, de toute façon, hein, je vais dire, on a toute l'année pour se voir. Hein. Moi, je te le dis, on a toute l'année pour se boire un coup, surtout que maintenant, je bois un coup. Bière, tout ce que tu veux, je bois. Je bois. Alors, il y a Serge qui a mis ça, qui est un partage. Alors, il n'a pas mis de partage de l'IA, mais il a mis un truc de la RTBF en disant, allez voir, c'est beau. C'est bien aussi comme ça. Voilà. Mais écoute, il n'y a pas grand-chose, hein. Pas grand-chose, pas grand-chose. On fera le point un petit peu plus tard sur tout ça. Moi, je pense que, comme je te le dis déjà depuis quelques jours, 2019, 2019-2020, même combat, hein, on continue sur la même lancée. Enfin, moi, je vais continuer. Je sais pas pourquoi je dis on continue sur la même lancée. Là, je me suis pris, il y a beaucoup de mes camarades qui se sont mis en tenue, tu sais, en costard, tu sais, avec la femme à côté, avec leur femme à côté, ou des femmes qui ont mis leur mari à côté, qui ont dit, je vous souhaite une bonne année 2020. Non, moi, non, allons-y. Santé, bonheur. Ah oui, Pégasus, tu as raison. Santé, bonheur, et que nos enfants soient en bonne santé, et que nous, ça aille bien. Je suis en train de regarder là sur la gauche. Ah ouais, dans un coin où le réseau mobile est une légende, et eh oui, tiens, ben voilà, si on devait souhaiter des choses, c'est que le réseau mobile pénètre un peu plus les endroits où c'est encore une légende, et cela peut-être même avant l'arrivée de la 5G, parce que si tu veux, il va y avoir la 5G ici, là, et puis là, il y aura la 2G. Donc, si tu veux, mettons un peu partout. L'autre jour, j'ai vu une annonce, genre, ça y est, la 4G arrive dans le métro, j'ai dit non! Même pendant les grèves, ils ont réussi à mettre la 4G. Et j'ai regardé, non, c'était pas Paris. C'était une autre ville. Je sais pas si c'est pas Toulouse ou je sais pas quoi. Toulouse, c'est bien couvert. Mais en tout cas, moi, la ville qui m'a bluffé, c'est Barcelone. Barcelone, le réseau passe dans le métro partout. J'ai pas fait toute la ville, mais je n'ai jamais été à un moment embêté. J'y ai même pensé faire une matinale. Parce qu'une matinale dans le métro à Barcelone, c'est possible. La 4G fonctionne. Inutile de te dire qu'à Paname,
J'ai pensé hein, faire une matinale, tu sais. Par exemple, le jour du 4 septembre, tu fais la matinale dans la station 4 septembre. Vas-y, vas-y, tu peux toujours essayer, mon ami. Tu peux. Letty, comment vas-tu? Elle est là. Ouais, des bisous à toi. Il y a Cathy, il y a Letty qui est là. Il y a Cathy, il y a Mastou, enfin Mastou, il y a Cathy. Il y a Karl. Salut Karl. On ne te voit pas souvent, Karl, mais en tout cas, ça me fait plaisir que tu sois là aujourd'hui. Bonne et heureuse année, comme on se le dit tous. Tiens, j'ai ma petite timbale. Eh oui, moi, je suis. Ça y est. Hein. Oh. Ceci dit, pendant que je vois Evangeline, je pense à une chose, c'est que à Londres, j'ai eu aucun souci pour faire mes matinales à l'extérieur. Hein. Hein, donc, correct. Hein. Bon. Je sais plus comment j'étais, si j'étais en roaming avec un truc ou pas, mais en tout cas, ça a fonctionné nickel. Hein. J'ai pas eu une seule... J'ai eu plus de soucis avec l'humidité, mais sinon, ça a fonctionné nickel. Totoguello est là aussi. Même pas, il n'y a aucun réseau. Ok, d'accord. Je cherche, je réfléchis. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Ben, pas grand-chose. Finalement, j'ai pas grand-chose à te dire. J'ai pas grand-chose à te dire. Sinon, te souhaiter que ça se passe super bien. Le réseau ici, c'est de la bombe. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, non, il faut dire une chose, c'est que le réseau, c'est de la bombe. À Paris, ça marche. Hein, ça marche bien. Moi, ce que je reprocherais surtout, c'est que parfois. Alors pourtant, ah ben c'est ça que je voulais te passer, mais je ne peux pas te le passer. Il y a eu une rétrospective, je vais la publier dans la journée si j'arrive à la choper, qui explique qu'on est numéro encore, on a une pour la 9e année consécutive, on est le réseau mobile numéro 1. Ok, donc tout va bien. Il y a beaucoup trop de différences entre certains endroits où ça marche plein pot et d'autres endroits où ça marche pas plein pot. Ça c'est le truc. Après, bon, ben écoute, on fait avec. Hein, on imagine que bah, c'est comme ça. Moi, je ne sais pas pourquoi on ne ferait pas plus de points d'accès Wi-Fi. J'avais cru comprendre que la ville de Paris voulait mettre les abribus en accès Wi-Fi. Pourquoi pas? Ça aurait été peut-être une bonne chose qu'on fasse ça comme ça. Et puis on verra. On verra très bien. Autre chose, je voulais te parler. Oui, j'en profite aujourd'hui. Je voulais te parler d'un truc que j'ai découvert. Tu sais que désormais, je suis assez podcast. Hein. Je ne sais pas si tu sais, tu vois ce que c'est que le podcast. Le podcast, c'est comme un truc radiophonique, mais enregistré. Hein, comment t'expliquer? Et au lieu de regarder, tu écoutes. Et au début, je me disais, ouais, quoi ça sert? Quoi ça sert un podcast? Franchement, on a l'habitude de regarder. Pourtant, c'est très très bien quand tu marches dans la rue, quand tu es dans les transports, d'écouter ce truc-là et tu as différents sujets. Et moi, il y en a un que j'ai trouvé, alors je vais te le montrer. Moi, je l'ai sur Spotify, hein, mais tu l'as sur Deezer, sur iTunes. Tout le monde fait les podcasts maintenant. Et les mêmes podcasts, en fait, c'est comme une musique qui est distribuée par ton lecteur favori. Bon, il y en a un que j'ai vu, alors attends, il faut que j'aille chercher dans Écouter récemment, paf, paf. C'est un podcast de la maison d'Orange qui s'appelle Le Mémo. Ah ben, je l'ai plus, il est plus là. Donc, attends, je vais ch faire chercher. Le mémo, le mémo, le mémo. Voilà, c'est ça. Je te montre. Voilà, je te montre ici. Tac, le mémo. Alors, pour l'instant, il y a 5 épisodes, je crois. Tu vois, le mémo, c'est Orange qui le fait. D'ailleurs, ça se voit quand tu regardes le truc. Tu vois que c'est Orange. Voilà, comme ça. Les sujets, alors, cyberharcèlement, économie de l'attention, faut-il tout débrancher? Pas mal, pas mal, pas mal. Moi, je te conseille d'aller faire. En fait, tu vois, quand tu lances le truc. Ellie doit avoir entre 15 et 16 ans. C'est le Tu vois? personnage principal d'un spot télévisé. Elle vit une vie normale pour son âge, elle va au lycée, regarde la... C'est une histoire. Enfin, je sais pas si, écoute, le mieux, c'est que tu ailles essayer. Franchement, tu tapes sur. Tu parles, podcast le mémo. Tu écoutes. C'est bien. Moi, je trouve ça pas mal parce que ça donne. Il y a autre chose à voir, il y a autre chose à écouter. Et bizarrement, moi qui pourtant je me disais, ben non, maintenant c'est l'image, 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 je me suis pris au jeu. Là, par exemple, le mémo, je crois qu'il y a 5 épisodes, je les ai bouffés d'affilée. C'est des épisodes de combien de temps ça? Merde, je vois pas. Bon, ben ça varie, hein, et 25, 20 minutes, ça dépend. Et il y a plein de sujets. Après, tu vas dans les podcasts, tu te cherches, je sais pas, moi, aventure. Tu vas entendre des histoires d'aventure, histoires de couple, histoires de carrière, des réussites, des échecs, des trucs. Il y a plein de choses. Voilà, c'est pas mal. Ça repose. Ça repose d'écouter de la musique. Je sais pas. Quand j'écoute de la musique, moi, mon cerveau, il est actif. Tu vois, il est actif. Je suis là, je secoue la tête, je claque des doigts, j'ai envie de. Voilà. Quand tu écoutes un podcast, en fait, tu écoutes. Voilà. Et j'ai pensé à ça. Je me suis dit, on pourrait faire un podcast avec les trucs d'Ariel. Ariel Straboni, on pourrait lui faire des podcasts avec ses gazouilles de Twitter.
Même peut-être un podcast avec un texte peut-être un peu plus long. Donc, c'est à voir ça et je suis sûr que ça marcherait. Salut Linda Tata, Will qui dit « Petite pensée à mes collègues Orange ou ETL qui ont été appelés pour les mises en sécurité dues aux poivrons qui ont fait des sorties de route. » C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'ambulances sur les routes hier. Florine Bertier est là, Évangeline Lejeune, j'ai vu aussi. Ok, ok. Donc voilà, si tu as quelque chose à penser cette année, moi je te conseille fortement d'aller t'écouter un ou deux podcasts. Le mémo, c'est le podcast d'Orange, c'est pas mal. Il y a de tout. Moi j'ai vu Paroles de Môme, les trucs comme ça. C'est super intéressant. En fait, ça t'ouvre l'esprit vers autre chose. C'est vrai qu'on a tendance. Moi, je suis un fou furieux de YouTube. Je regarde des vidéos à longueur de journée. Enfin, à longueur de journée, non. Mais enfin, des fois, je peux m'asseoir, rester pendant une heure à regarder des vidéos. Alors, des do-it-yourself qui parlent beaucoup. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un fabriquer un truc, ça, je sais pas comment, mais c'est fascinant. Les unboxings, c'est pareil. J'ai fait un unboxing de la, du Wi-Fi extender. C'est comment ça s'appelle ça? Du truc Wi-Fi, là, qu'on nous donne. C'est une vidéo qui a cartonné. Je sais pas, mes vidéos sur YouTube, elles font jamais plus de... Allez, je crois que la plus grosse jusqu'ici, c'était 4000 vues. C'est celle où je berce ma fille qui est tout bébé, qui date de machin. Donc, elle a fait 4000 vues en je sais pas combien d'années. La petite a 12 ans. Enfin, elle est plus petite maintenant. Et ben, la vidéo de l'extender, elle a fait 17000 vues. Un truc de dingue. Voilà. Et je l'ai pas faite au sérieux. Je l'ai faite comme ça. Voilà. Donc, les do-it-yourself, c'est les gens regardent. Je sais pas, il y en a un attrait pour ça. Moi-même, je suis le premier à rester collé à la télé quand je vois quelqu'un qui fait quelque chose de ses propres mains. Voilà. Mais, le podcast, c'est autre chose. Tu écoutes, tu laisses ton imaginaire voyager. Voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Ben, écoute, prends soin de toi. Hein, je vais pas te retenir beaucoup. N'oublie pas, il faut aller chez mamie. Hein. Faut aller chez mamie, lui apporter le bouquet de fleurs en lui disant bonne année, mamie. Comme ça, tu auras peut-être des belles étrennes. Tu m'as compris? Voilà. Happy New Year à tous. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Ben, rien, pas grand-chose. Profite d'un maximum. Aujourd'hui, bois de l'eau, gazeuse si possible, parce que pour ceux qui ont fait des excès hier, ça va peut-être pas être facile. Voilà. En attendant, ben, on se dit à demain, comme d'habitude. Le générique de fin avec, eh oui, encore un peu de Sting. J'étais dit, en 2020, c'était sous l'année de... Ah, tiens, je peux lui demander à lui de te souhaiter une bonne année? C'est ce que je veux dire. Ok Google, souhaite-moi une bonne année. Bonne année. J'adore. Romy, en 2020, j'essaie de donner un coup de neuf à mes blagues. Voilà. Je fais la même avec l'autre? Non, est-ce que tu veux que je fasse la même avec l'autre? Allons-y. Alexa, souhaite-moi une bonne année. Le niveau de blague n'est pas le même. Non, mais c'est tout. C'est tout. Toi-même, tu as vu. Non, mais je dis ça parce que certains vont dire... Et tu dis, pourquoi j'ai pas demandé à Jingo? Tu veux vraiment que je demande à Jingo? Tu veux vraiment? Ok, Jingo? Souhaite-moi une bonne année. Bon. C'est tout. Si tu veux, tu vois, le niveau de blague. En plus, il continue à réfléchir, regarde, il est allumé, il continue à réfléchir. Stop. Allez, on se quitte, on se retrouve demain, garde le sourire et puis, comme d'habitude, on se quitte avec Sting, bien sûr.